vous remercie d'être ici. Avec les gens qui sont venus. Rémi m'a invité pour parler du compagnie d'ordonnance qui sert le texte. Et donc, j'ai décidé de parler un peu de comment on a réseau le compagnie d'ordonnance et comment on construit le compagnie d'ordonnance qui sert le texte. Alors, pour commencer, je ne suis pas historien. Déjà, je n'ai pas fait d'études d'histoire, je suis complètement amateur, je fais des AMHE, je me suis lancé dans la reconstruction historique, et en faisant la reconstruction historique, je me suis dit, tiens, mais c'est quoi un homme d'art, etc. Puis je me suis intéressé au point de compagnie d'ordonnance, je fais de la recherche, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, donc j'ai atteint, j'ai plein de documents qui sont publiés toutes mes recherches, mais je suis amateur, donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes, je ne suis pas historien, j'ai l'impression que je passe à peu près après Louis. Donc moi j'ai pris des bouquins d'historiens, des thèses, etc. J'ai pris mon truc, j'ai regardé ce qu'il y avait là intéressant et j'ai fait tout ça. D'accord ? Mais prenez ça avec des pinceaux. Et j'ai complètement oublié de vous appeler. C'est verrouillé pour le. Pour le duo. Ouais. Ouais. Elle avait la tête de reprendre. Voilà, il y aura plus. Elle a pas loupé grand chose. Alors, introduction du contexte des compagnies d'ordonnance. On est lors de la guerre de 100 ans qui dure de 1337 à 1453, qui est une guerre extrêmement complexe. Je vous fais un très très bref résumé. C'est donc la dynastie des Plantagenets, les deux dynasties Plantagenets de Valois qui revendiquent la couronne de France, et ça dure, et même en 1453, d'ailleurs, c'est pas fini. Ça rôle la couronne d'Angleterre qui revendique encore. Et c'est un conflit franco-anglais, mais qui a débordé un peu partout, dans les Flandres, en Suisse, en Espagne, etc. Il y aura une guerre civile chez les Français entre les Armagnacs et les Montpellier, et une guerre civile vers la fin de la guerre de Cent Ans, la Cavalerie de Rose en Angleterre, qui précipite un peu, donc, d'ailleurs, la. Déclin de l'Angleterre en France. En 1420, on est 25 ans avec la campagne d'ordonnance, on est un peu avant Jeanne d'Arc, la situation n'est pas très très bonne pour les Français, on a donc une France coupée en deux, avec au nord de la Loire la France qu'on dit anglaise, avec qui doit faire avec les duchés de Bretagne et de Bourgogne qui changent d'allégeance un peu en fonction de comment le vent tourne. Et au sud de la France, on a la France du dauphin Charles VII. Qui à Bourges, qu'on surnomme le roi de Bourges d'ailleurs, au sud, il y a à peu près tout le sud, sauf l'Angleterre, qui est depuis Aliénor d'Aquitaine, qui est sous allégeance anglaise, pas sous occupation, sous allégeance. Donc ils sont très contents d'être avec les Anglais, ils ne sont pas d'être. La situation est non plus, il y a eu la guerre, mais il y a aussi une très très grande période de peste. Du XIVe siècle, donc la France a quand même perdu beaucoup de population, l'économie ne va pas très très bien. Pour donner très brièvement un peu la situation de cette histoire. Mais avant, on va dire. L'arrêté militaire, alors c'est pas un front, hein, d'accord. On parle de la France coupée en deux, mais c'est plutôt chaque camp va tenir des places fortes, des villes, etc. Et on va se contenter, et les campagnes sont à peu près libres, hein. On va voir le Mont-Saint-Michel qui restera tout le temps français, les Anglais n'arriveront jamais à prendre le Mont-Saint-Michel. Et on commence donc en 1420 à avoir vraiment des compagnies de gens de guerre professionnelle dont les métiers sont la guerre. C'est vraiment moi ce qui m'intéressait, c'est les gens dont le métier c'est la guerre. Et on a les écorcheurs qui apparaissent. Qui sont nommés les écorcheurs, mais pourtant c'est bizarre, qui sont redoutés par la population, mais bizarre c'est qu'il y a des capitaines illustres qui sont couronnés, qui sont couverts d'or et de présents par le roi de France. Et on a la Hire, Proton des Entrailles, Dunois, Antoine de Chabannes, mais ça c'est devenu très réputé de capitaine. Donc je voulais revenir un peu là-dessus, on y reviendra. Et parce que eux, les capitaines qui survivront, ils formeront les cœurs des compagnies d'ordonnance, les capitaines des écorcheurs qui formeront les cœurs des compagnies d'ordonnance. Alors, d'abord un petit interlude. Alors, les combattants, donc quand on parle des combattants, il n'y a pas de civils et les combattants d'un côté, d'accord. Toutes les populations civiles peuvent avoir des armes, etc.
Donc c'est, on ne peut pas dire que voilà, c'est une situation civile ou militaire. On va avoir des Gascons qui ont des arbalètes, des lances, des casques. On voit parfois des bourgeois qui ont des armes à côté. Donc les habitants, quand leur ville sera attaquée, ben, ils se défendent, etc. Ils participent à la défense, etc. Donc attention à la distinction voilà, civile-militaire, ça n'existe pas vraiment. Moi, ce que je me suis intéressé, c'est aux gens de guerre professionnels dont ils ont fait une médecine, ce qui est autre chose. Alors, comment on en est arrivé aux compagnies d'ordonnance? Je vais faire un très bref aperçu, parce que c'est très compliqué, de comment le service, un peu le service militaire a évolué entre le 13e siècle et le 15e siècle, pour voir qu'est-ce qui posait problème et pourquoi on a essayé d'avoir des compagnies professionnelles. Alors, au XIIIe siècle, on a un service, on a les vassaux, le service feudal, on a des vassaux qui ont, qui doivent un service militaire au roi en échange de fief. Déjà, ça va différer en fonction des régions, des négociations qu'il y a eu entre le roi, les vassaux, etc. Et donc, les services sont très 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 différents. Et parfois, on a dans les sources, on voit que les historiens disent, tiens, le roi de France, il demande un service en vassal, le vassal lui dit, ah non, moi j'ai signé un acte, que moi je dois faire ça, alors que le roi avait une liste qui devait faire ça, donc c'est un problème de liste de savoir quels sont les services qui sont obligatoires. Et une des grosses limitations assez générale, c'est que souvent les services militaires sont limités à 40 jours, et parfois que à l'intérieur du pays. Donc pour faire des campagnes militaires, c'est pas assez limité, donc il y a quand même des problèmes. Et donc, ça va être en fonction de la réputation du roi que les vassaux vont plus ou moins se bouger pour faire des campagnes militaires, etc. Mais généralement, ils vont faire que le strict minimum, parce que la guerre, c'est extrêmement cher. Donc, ils vont faire les 40 jours. Et si parfois, il y a contestation, ils vont faire une plainte au Parlement, ça peut remonter. Parfois, c'est le roi qui perd. Le Parlement dit, ah non, le vassal, il est dans son droit, il a pas le service militaire, il s'est engagé à faire autre chose à la place, etc. Donc, ça pose des petits problèmes et donc ils ont constamment un peu des problèmes à ce niveau pour faire la queue. Alors, donc on va essayer de trouver des petites solutions. Donc souvent on peut racheter le service militaire en versant de l'argent. Donc certains vont préférer verser de l'argent, parfois le roi va préférer engranger de l'argent comme une sorte d'impôt pour se financer. Donc on va voter des impôts, différents types d'impôts. Pareil, qui sont provisoires, des impôts temporaires, hein, ce n'est pas des impôts à l'année, ce n'est pas des impôts permanents, on n'y est pas encore. Et le roi va donc financer la guerre en généralisant les gages, c'est-à-dire en payant des combattants. Donc c'est donné plus, le service vassalique ne suffit pas, on paye des combattants pour entrer là-dedans. Et on va payer combattants en fonction de si c'est chevalier, si c'est un baron portant de la guerre, si c'est un piéton, si c'est un cavalier, on va mettre des sous là-dessus. Donc le contrat d'engagement en France, quand on va engager un capitaine et ses hommes, ces gens de guerre, pour une durée donnée, s'appelle une lettre de retenue, et c'est quelque chose qui va persister au 15e siècle, parce que c'est un système de contrat en fait, hein, qui persiste au 15e siècle. Ça existe toujours lors des campagnes d'ordonnance. Qu'est-ce que dit Philippe Compagnie, hein, au temps de Charles V, ben, les aides de retenue au temps de Charles V, ben c'est sensiblement les mêmes que Charles VII et Louis XI, donc jusqu'au deuxième moitié du XVe siècle. Le roi aussi, donc la politique la conversation du banc et de l'arrière-banc, c'est la vocation des vassaux et des vassaux. C'est pas nouveau, donc on est au XIVe siècle, ça existe déjà depuis longtemps, mais c'est pas très populaire, surtout qu'on appelle les vassaux des vassaux, parce que ça fait en gros, on pique du pouvoir aux vassaux directs. Mais par contre, le roi au XIVe siècle a un peu plus d'autorité qu'au XIIIe, donc ça peut marcher. Et pareil, on peut payer pour éviter d'être appelé tout ça, donc ça finance la guerre, donc c'est aussi un des moyens très retenus. Voilà. Alors, au XIVe siècle, on a le phénomène des routiers qui apparaît. Alors, le problème, on commence à avoir des gens qui sont donc engagés pour service armé, et donc on commence à avoir des professionnels de guerre, mais le plus gros problème, c'est que souvent ils ne sont pas financés à l'année. Ils ne sont pas des soldats à l'année, et donc à un moment donné, ils n'ont plus d'argent, mais c'est des gens, des professionnels de guerre, qui on appelle des gens sans côté, parce qu'ils n'ont pas de terre, en fait, ils vivent en compagnie, et quand
ils sont plus soldés, ils restent ensemble dans leur compagnie et ils vont vivre sur le pays, c'est-à-dire vivre chez l'habitant, prendre les provisions qu'ils ont besoin, et donc ça va poser des problèmes dans la population, etc. Et donc oui, on parle de là on a vraiment un phénomène de gens de guerre qui sont isolés du reste de la société, où c'est vraiment des gens qui n'ont pas d'habitat, la plupart n'ont pas d'habitat propre, donc ils sont un peu nomades là où il y a la guerre. Et donc ils sont assez mal vus par la population parce qu'à l'époque on n'a pas les étrangers, et en plus les gens armés, ils peuvent être violents, enfin on pouvait voir qu'ils sont violents, etc. On les appelle routiers d'ailleurs, alors peut-être parce qu'ils sont sur les routes constamment. Et ils s'organisent en bande d'ailleurs, hein, quand ils s'organisent en bande, quand ils ont plus sauvés, qui s'appellent les grandes compagnies. Et parfois ils vont même parfois prendre des places fortes, s'occuper des places fortes, renseigner des villes, etc. Là on sort du côté, j'en veux dire, on va parfois dans l'illégalité, dans tout ce qui est hors la loi. Alors, c'est très compliqué, leur arrêté étant de les combattre, mais c'est très compliqué, parce que c'est des gens de guerre, en gros c'est des professionnels de guerre, aguerris, hein, qui ont des années d'expérience. Et d'ailleurs, il y a un désastre lors de la bataille de Brigné, où l'host royal, donc on le voit à l'image ici, est défait par une troupe de routiers, par un regroupement de plusieurs compagnies routières. Donc on arrive quand même que voilà, l'armée royale est battue par les grandes compagnies. Mais ça ne se n'arrête pas, hein. On continue à chasser les routiers, ceux qui sont pris sont exécutés, donc là on est dans le traître, hein. On n'a pas de prisonniers, ils sont considérés comme traîtres. Et ça ne suffit pas encore, donc on tente de les envoyer se battre ailleurs, hein, trois hommes en Hongrie, qui échouent, et ils sont envoyés en Espagne, il me semble que c'est peut-être du dessin, je crois qu'ils sont envoyés, je suis sûr. Donc ça marche bien, ils sont partis en Espagne, ils partent quelques-unes en Espagne, mais à un moment ils reviennent, ils pillent des villes, des châteaux. Finalement, ils arrivent à trouver des accords et ils sont réintégrés dans l'armée française, alors sûrement avec des pardons, tout comme ça, etc. Mais ça, voilà, ça a causé. C'est des combattants très efficaces, mais du coup, quand ils sont plus soldés, quand il y a la paix, tout ça, ça pose des gros problèmes parce que c'est des grandes forces combattantes qui font un peu ce qu'elles veulent. Alors, au XVe siècle, on a un phénomène un peu similaire qui apparaît après Azincourt, vers 1415, 1420, peut-être 1430. On a les écorceurs qui apparaissent. Alors, le nom est grand sujet à débat. Parfois, j'ai entendu dire parce qu'ils écorcent les victimes, tout ça, mais ça paraît peut-être pas très. Ce serait plutôt des chroniqueurs bourguignons qui étaient venus de la France qui auraient monté ça en Espagne. Ce serait plutôt, quand ils avaient pris. Quand quelqu'un, il le rançonnait, il piquait tout ce qu'il avait, donc le corps. Alors, ils ont une mauvaise réputation auprès de la population, mais contrairement aux routiers, ils n'ont jamais été considérés hors la loi, d'après ce que j'ai vu. Et ils sont envoyés plusieurs fois combattre hors de France, mais ils ne sont pas hors la loi, ils n'ont pas été pourchassés ou exécutés, comme on a vu pour les routiers. Donc, en fait, les capitaines des écorcheurs connaissent bien le droit, ils savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, et ils ne veulent pas se mettre en position de traître pour plus ou moins, quoi faire, parce qu'ils les exécutent. Donc, ils vivent sur le pays, c'est-à-dire qu'ils vont loger sur l'habitant, ils prennent des livres, etc. Ils le font avec l'accord tacite du roi. Et parfois, ils vont prendre, on a des sources où, tiens, un paysan se plaint parce que des hommes armés sont rentrés dans sa maison. Il y avait trois tonneaux de sel, ils en ont ouvert un, ils ont pris deux poignées de sel. Alors l'historien se dit, mais tiens, si c'était vraiment des brigands, pourquoi ils n'ont pas pris les trois tonneaux de sel? Pourquoi ils ont pris deux tonneaux? Là, donc, les hypothèses, c'était plutôt qu'ils avaient été autorisés à faire une taxation par le roi sur le pays. Ils ont pris ce qu'ils avaient le droit de prendre. Et généralement, ils vivent souplement sur le pays ami, hein, le pays en sous la régence française, et par contre, ils vont faire des ravages dans les terres anglaises, où ils seront beaucoup plus moins conciliants avec la population. Mais il faut dire, voilà, les écorcheurs, donc ces troupes de gens de guerre, le comportement n'est pas très différent des troupes royales. Hein. Les troupes royales se comportent à peu près de la même façon en situation comme ça. Alors, une question qu'on a discuté d'ailleurs, est-ce que c'est des mercenaires? Alors, les routiers, je crois que je ne connais pas très bien les routiers, mais les écorcheurs, ils ont prêté allégeance au roi de France. Et normalement, il n'en change pas. Parce que celui-là qui change d'allégeance est considéré comme traître. Et lui, il est pendu. Alors que celui-là qui a prêté allégeance au roi de France, il essaie de le garder tout le temps au roi de France pour être conservé.
ça. Donc voilà, s'il y a un problème, il peut procéder, mais il ne sera pas pour lui. Donc il n'y a pas cette question de on s'offre plus aux Francs. On va au roi de France, mais quand même, parce que c'est quand même voilà, c'est le roi de France. Mais il n'y a pas cette question de mercenaires, tiens, ben, on change de. En tant que sa chemise, on va combattre pour le du Bourgogne ou pour le roi d'Angleterre. Non, ça, c'est vraiment pas le cas. Je vous disais, le très très pendu, donc on fait vraiment très attention aux questions d'allégeance. Alors, problème qui persiste avec les porteurs, c'est que les armées ne sont pas servies en permanence. Les armées ils vont être servies 2 mois, 3 mois, 6 mois dans l'année, et le reste, ils vivent comme ils peuvent. Alors, on en est à la période de Charles VII, on a passé Jeanne d'Arc. En 1435, la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons touche à sa fin grâce au traité d'Arras. Les Français essaient de reprendre un pouvoir offensif contre les Anglais, mais ça piétine un peu. Hein. C'est qu'en 1441, quand on arrive à reprendre l'île de France, et donc les historiens estiment que, tiens, peut-être qu'ils se rendent compte que les mobilisations temporaires, c'est-à-dire pas à l'année, c'est pas suffisant. Pour combattre les Anglais, c'est très lent, c'est encore très lent. Alors, donc, en 1439, Charles VII est fait faire une première réforme, c'est de créer un impôt permanent, c'est une nouveauté, pour financer les gens de guerre. Ça ne marche pas bien, parce que les nobles se révoltent, parce qu'en fait, je ne rentre pas dans les détails, mais ça leur pique un peu de pouvoir, c'est plutôt le roi de France qui mettrait des troupes, et les nobles n'auraient pas trop moins le droit de lever les troupes, donc ils perdent du pouvoir. C'est la révolte de la Praguerie. En 1440, je crois qu'il y a Louis XI qui va dans le tas, aussi le dauphin. Mais cette fois, le roi il lève des troupes, il écrase la révolte. Donc là, il renforce son autorité, il écrase la révolte d'une main de fer. Ça retarde quand même toutes les réformes. Il reprend ça en 1444, il profite d'une trêve pour, donc cette fois, il crée la taille des gens de guerre, c'est un impôt permanent en France. Donc, constamment pour financer une armée et c'est la création des compagnies d'ordonnance grâce à la grande ordonnance de 1445 dont on n'a pas de trace. C'est très malheureux, mais donc on a perdu l'ordonnance de 1445. Donc on a quelques chroniqueurs qui en parlent, comme Mathieu Toussy qui dit le roi désirait de tout son cœur qu'une bonne ouverture et manière fut trouvée par laquelle les gens de guerre qui étaient à lui soit payé en assez grand nombre et soit mis dans des villes, dans les forteresses où il le voudrait. Donc en fait, il veut avoir une armée qui puisse contrôler constamment. Donc on crée 15 compagnies d'ordonnance, parce que ordonnées par le roi, et ils sont retenus par un an. Ils sont soldés à l'année, c'est une nouveauté. Chaque compagnie, il y a un capitaine, un capitaine très important, je vais y revenir, qui est choisi par le roi. Alors sur les critères de compétence, de loyauté, de noblesse, on voit pas mal de capitaines d'écorcheurs qui se deviennent capitaines de compagnie d'ordonnance. On a quelques grands hommes qui deviennent capitaines de compagnie d'ordonnance. Et donc, une compagnie d'ordonnance est composée de ce qu'on appelle sans fournie ou garnie. J'y reviendrai. Donc, je dis ça. Donc, il y a quelques grands seigneurs qui sont capitaines. Mais généralement, on garde les meilleurs des gens de guerre des écorcheurs, parce que c'est des gens expérimentés, qui ont du matériel, qui ont l'expérience. On veut garder parmi les meilleurs. On a des Bretons, des Gascons, des Berrichons, des Angevins, et on a aussi des Écossais, des Espagnols et des Lombards. Donc les Écossais sont des Lombards, donc Italiens. Donc, je crois qu'il y a deux compagnies espagnoles, une compagnie lombarde, une compagnie écossaise, je crois même. Sur les 15 compagnies. Donc, quand même des Français aussi, quand même. Donc, ceux qui ne sont pas sélectionnés, généralement le roi leur donne des terres, des offices qui se posent, et les autres gens de guerre qui n'ont pas été pris, on les gracie de leur crime, et en gros on leur dit voilà, maintenant vous restez tranquille, rentrez chez vous, trouvez-vous un métier, sinon on a les 15 compagnies qui peuvent vous mettre sur la gueule. Voilà, il y a quand même. Et comme je ne sais plus quel historien, il dit ah, mais miraculeusement ça marche. Ça marche bien, apparemment. Il n'y a pas trop de problèmes. Il y en a qui vont aussi. Il y a aussi des gens de guerre qui vont donner leur service à d'autres seigneurs, etc. Voilà, il y a tout un tas de systèmes. Alors, au niveau effectif, de quoi on parle? Alors, on avait 1500, donc on avait 15 compagnies qui passent à 18 compagnies dès 1449.
Et on a, ça fait 1800 ans, ça fait à peu près 10 800 hommes en théorie. Il y a aussi des compagnies de petits corps de danse qui, vont en garnison en Guyane et en Normandie, qui sont 900 combattants en plus. Et donc on a environ 12 000 hommes soldés en permanence par le roi de France dans les compagnies de l'ordonnance. Ce modèle de compagnie d'ordonnance inspirera Charles Téméa, duc de Bourgogne, pour créer ses propres compagnies d'ordonnance en 1471. Mais leur fonctionnement est un peu différent. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais par exemple, leur lance-fournie, on en parlera, il y a plus d'hommes dedans. Il y a une question. À l'échelle des batailles des contextes de l'époque, est-ce que c'était beaucoup d'hommes? Alors, en fait, il y a beaucoup de ce que j'ai lu. Il y a beaucoup de conflits. En fait, il y a beaucoup d'escarmouches. Les batailles rangées sont rares. Et on n'est pas dans des chiffres astronomiques. On est 2000 combattants, 3000 combattants, etc. Donc là, de ce que j'ai compris, c'est quand même d'avoir des gens, 11 000 hommes soldés en permanence, c'est quand même très très fort. C'est quand même très fort. Par exemple, à Castillon, bataille de Castillon, 1453, donc c'est une des dernières batailles, c'est pratiquement la dernière bataille en guerre de 100 ans. Il y a 4000 Anglais qui débarquent à Bordeaux pour aller combattre les Français. Donc on est dans des 4000, ça peut monter à 10 000, mais c'est rare que ça monte à plus de 10 000 parce que ça fait beaucoup de personnes, toute la logistique, etc., etc. Oui. Donc ces compagnies, elles sont rarement toutes réunies au même endroit. Difficile à dire, je ne suis pas assez connaisseur au sujet, ils sont quand même en partie. Mais il y a quand même des fronts, il va y avoir la conquête de la Normandie, après la conquête de l'Aquitaine, donc il y a quand même des gros rassemblements de combats. Par exemple, la conquête de Normandie, on parle de trois armées qui attaquent simultanément, donc on va avoir beaucoup de combattants, on peut masser des combattants. Je n'ai pas dit, mais donc il y a la campagne d'ordonnance, mais on peut encore faire des levées temporaires avec des lettres de retenue, et on peut faire appeler, je crois que j'en parle après, et on peut appeler le banc et l'arrière-banc. Donc en plus de ça, le roi de France, s'il a assez d'argent, ou s'il a assez d'alliés, il peut encore appeler des troupes supplémentaires. Il faut dire que, on va dire, c'est le cœur de l'armée. Ça, c'est ce qu'il a tout le temps. C'est l'élite, en fait, on va dire, et après on peut renforcer. D'ailleurs, on va parler des francs après. Il y a d'autres troupes supplémentaires. Donc, mais c'est le côté, en fait, permanent qui permet d'avoir un cœur de professionnel. Et qui est très très efficace. Donc voilà, en plus des compagnies d'ordonnance, parce qu'il ne fait pas que ça, je pensais, donc il crée également l'artillerie royale, qui rattache, donc c'est au roi de France, c'est pas les compagnies qui ont l'artillerie, il y a des compagnies royales, et donc c'est frère Bureau, Jean et Gaspard, qui créent, ils ont bien compris que pour les sièges, l'artillerie est très très importante, parce que on voit lors du siège d'Orléans, et pendant les Anglais assiègent pendant un an Orléans, ils n'arrivent pas à la prendre. Et c'est grâce à l'artillerie en fait que la conquête, une des explications de la conquête, en fait, que la reconquête sera assez rapide. Donc un chroniqueur se dit que le roi de France dispose ainsi du plus grand nombre de grosses bombardes, de gros canons, de vulgaires, de serpentines, de crapaudins, de ribots, de robots de guerre et de poudrines, une mémoire d'hommes que j'ai jamais vu. Aucun roi chrétien n'a eu aussi grand artillerie. Bon, ils arrachent souvent un peu, c'est le chroniqueur. Mais voilà. Donc ça joue un rôle très important parce que là, en fait, rien que la démonstration de puissance, on va voir beaucoup de places fortes qui vont se rendre pour éviter d'avoir trop de dégâts. Et puis, il y a peut-être une lance en dessous de nous avec l'artillerie. Pour l'instant, on ne va pas pouvoir rester debout. En plus de campagne d'ordonnance, il y a la création des ministres de francs archers qui sont en fait là, c'est 5 groupements de 20, 80, 50 feux en fonction de. A été négocié de 120 ans, 124 ans, 50 feux, où chaque regroupement de feu, en fait, de foyer, doit fournir un homme en bonne santé qui doit s'entraîner à l'arc chaque dimanche, je crois, chaque dimanche au ferrier, et qui, quand il a fait la guerre, il doit aller faire la guerre. En théorie, ça fait donc 8000 francs archers, en plus, qui sont pas ajoutés pour tenir danse, mais ça, ils n'ont pas super bonne réputation, apparemment ils ont aidé quand même certains trucs, mais donc ça n'a pas super bonne réputation. D'ailleurs, ils sont à la bataille de Castillon, je crois qu'ils sont tués, ils sont chassés d'une abbaye par les Anglais qui capturent l'abbaye assez facilement. Et donc, les francs d'archers disparaissent en 1480. Oui. C'est le foyer. Donc le feu, alors je ne connais pas les définition exacte, peut-être que Louis le connaît, la définition de feu. Ça, c'est un foyer. Ouais, c'est un foyer, voilà. Dans les villages, tout ça. Par exemple, si tu as une ville où tu as. Si tu as une ville, tu as 300 foyers, ben ils doivent, en fonction de comment ils ont négocié, ils doivent envoyer entre 4 et 6 hommes à la guerre.
Voilà, donc les francs archers n'ont pas super bonne réputation, ça ne dure pas très longtemps, ça dure 32 ans. Bon, un petit peu quand même, mais c'est pas grave. Et donc, comme je disais, hein, en plus des campagnes d'ordonnance des francs archers, il y a aussi le roi de France a assez d'argent, il peut lever des troupes temporaires grâce à l'aide de retenue, il peut faire appel au banc, à la révente, mais il ne s'en prive pas. Il ne s'en prive pas quand il y a besoin. Bah écoutez, on a pas mal. Donc, voilà pour. On en est arrivé aux campagnes d'ordonnance. Maintenant, on va parler un peu plus de comment sont composées les campagnes d'ordonnance. Alors, un personnage très très important dans les campagnes d'ordonnance, c'est le capitaine. Le capitaine, il représente l'autorité de la compagnie et c'est lui un peu qui a le tout pouvoir dans la compagnie. Il donne les ordres, il donne les soldes, il a un pouvoir de justice et de punition. Donc il y a une vraie volonté des gens de guerre à plaire à leur capitaine. D'ailleurs, les hommes d'armes, quand ils se présentent, comme je disais, c'est des gens sans foyer, généralement ils disent « je suis Jean de Bourges et je suis homme d'armes du capitaine Antoine de Chavannes ». C'est comme ça qu'ils se déclarent. Ils se déclarent en premier lieu, ils ne disent pas « combattant du roi de France », ils disent « du combattant du tel capitaine ». Donc ils se déclarent ainsi, les hommes d'armes. Pour moi, l'engagement des capitaines d'ordonnance, pour le roi de France, l'engagement est total. C'est vraiment une question d'allégeance, parce qu'en plus, le roi de France est celui-là qui le paie à l'année, lui et ses troupes. Donc c'est extrêmement important. S'il perd la confiance du roi de France, il peut être son métier, en fait, parce que donc, là, il peut vivre des années de son métier. En plus, donc il y a cette seule, mais en plus le roi de France récompense énormément ses combattants avec des titres, des fiefs, etc. etc. Et une des raisons serait de dire tiens, mais voilà, quand le premier capitaine, le combattant part à la retraite, mais il a des terres où il peut vivre sa retraite tranquillement avec des rentrées d'argent. On a un exemple, par exemple, un capitaine qui a beaucoup combattu en Gascogne, qui c'est un capitaine écossais, dont j'ai perdu le nom, c'est dommage. C'est Robin, bon, j'ai perdu le nom. En fait, il commence capitaine écossais, et en fait, à la fin de la guerre, il fait pas mal d'exploits en Gascogne, il permet justement il écrase des rattroupements gascons qui doivent aider les Anglais à la bataille de Castillon, il empêche Captain de Gascon à venir aux batailles de Castillon, et en fait, à la fin de la guerre, il est sénéchal de Gascogne, c'est-à-dire qu'il est gouverneur d'Aquitaine. Il part de capitaine et à la fin il gouverne l'Aquitaine. Donc il y a quand même des. Voilà. La guerre est un vrai ascenseur social. Autre chose intéressante, c'est que les capitaines ont la légitimité de négocier avec les autres parties. Alors par exemple, c'est faire des trêves avec les ennemis, faire des alliances avec. Des alliances, négocier des capitulations. Les apathies, c'est payer la paix. C'est quand il y a une communauté, on arrive, bonjour, nous sommes les compagnies gens de guerre, pour qu'on ne cause pas de problème, vous donnez un peu d'argent, on ne causera pas de problème, vous laissera du racket. Enfin, ça veut dire racket négocié avec un contrat. Mais ça fait partie de l'esprit de l'époque, hein. C'est dans l'esprit de l'époque. Le capitaine est aussi extrêmement indépendant militairement, j'étais assez surpris. Souvent on lui dit qu'il faut aller combattre dans cette zone, à peu près, tout ça, et après ils font un peu ce qu'ils veulent. Dans le jeu Vancel, pas encore une campagne d'ordonnance, mais c'est assez rigolo, où on a plusieurs capitaines qui disent « Ah tiens, on va attaquer telle ville, mais on va pas prévenir le grand seigneur du coin, parce que sinon il va nous piquer la gloire, on va le faire, on va prendre la ville, et après qu'on aura pris la ville, on l'annoncera au roi. » Et toi tu prendras tel quartier, moi tel quartier, moi tel quartier. Donc il y a vraiment un côté d'entreprise de guerre. Un côté, nous, c'est pour gagner de l'argent la guerre, et aussi on peut gagner tout comme ça. Donc ils font ça, et ils prennent la ville, après ils envoient un messager au roi de France, et c'est aussi roi de France, on a pris la ville. Voilà. C'est plutôt bien vu ça. Le roi de France, le seul gars, c'est le fait gagner du terrain. Seigneur local. Oui, après je ne connais pas assez, mais effectivement il doit y avoir des frictions avec moi, mais je ne le connais pas assez. Le temps que le roi de France apprenne que la ville a été prise, même qu'il ne voulait pas, ça mais il le voulait parce que il le voulait parce que généralement ils ont un soir, ils se battent contre les Anglais pour reprendre du territoire, hein, donc lui il est content le roi, hein, ça lui va, mais je pense, hein. Voilà, par contre
ils se battent toujours dans l'intérêt de leur parti et en respectant le droit de la guerre. Ils ne vont pas attaquer quelqu'un dont le roi de France n'est pas en guerre. Il y a cette question qu'on avait dans les tournois de attention, c'est éthique, dans les tournois, on ne peut pas défier n'importe qui ou on ne va pas accepter. C'est pareil, le droit de la guerre est très sensible. On ne va pas attaquer un seigneur parce que ça nous arrange, mais qu'il n'est pas en roi en conflit avec le roi de France. On va attaquer que ceux qui sont en conflit avec le roi de France. Sinon, on peut être considéré comme traître, on peut être pendu. Toujours pareil. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est pas l'anarchie. Il y a une grande indépendance, mais c'est pas l'anarchie. Et il y a plusieurs travaux israéliens qui demandent, qui disent, regardez, ça c'est lui. Pourquoi il fait ça et pourquoi il fait pas ça? C'est bien parce que tel seigneur, il est en paix, alors que lui il est en guerre, donc ils ont plutôt. C'était plus facile de faire ça, mais ils ont attaqué lui, parce qu'il est vraiment en guerre. Donc il y a un respect du droit de la guerre très important. Voilà, je me disais, au risque de se voir qu'ils sont traités de rebelles. Ils ne veulent pas. Ils veulent vraiment rester en. Aimé par le roi de France. Ce qui est très, très intéressant, je trouve, dans les capitaines, c'est comme je disais, ce sont des capitaines des écorceurs qui sont allés. Et on a pas mal de capitaines qui ont été, en fait, c'est pas le roi qui a donné le rang de capitaine, ils ont été élus parmi les hommes d'armes. Et on a deux cas, on a l'Aïr au Poton de Zonkraï. En fait, c'était dans leur compagnie, c'est quand ils ont dû changer de capitaine, alors s'il était mort ou blessé ou arrêté, ils ont été élus. En interne pour devenir capitaine. Donc il y avait une. C'était par le mérite en fait. Ils ont été. Ils ont trouvé. Les capitaines sont devenus. Certains sont devenus. C'est par le mérite qu'ils sont devenus capitaines. Ça devait être assez mal vu par la noblesse. Alors, on va en parler. Souvent c'est les nobles, les capitaines. Ouais, très très souvent c'est les nobles. Alors, il y a une période un peu Jeanne d'Arc où. C'est toujours très difficile de savoir qui est noble ou pas noble pour les historiens. Mais à un moment des campagnes d'ordonnance, il y a quand même 81% des combattants, c'est bien. Bon, je vais en parler un petit peu, je parlais des hommes d'armes, etc. Alors, les sources de revenus du capitaine. Donc, il y a bien sûr, dans les campagnes d'ordonnance, il y a la solde à l'année, hein, qui, c'est lui qui soldait tous ses hommes. Il y a les butins de guerre, beaucoup de butins. Hein. Donc, on aime voler les chevaux coûtent très cher. Je n'en ai pas parlé, mais le cheval de guerre peut coûter 2 à 3 fois une armure. Donc on peut voler quand il y a des batailles, on va essayer de voler les bagages des adversaires, on peut essayer de voler des vivres. Dans le Jouvencel, les premiers, donc c'est un roman semi-autobiographique d'un capitaine de Charles VII, son premier fait d'armes de ce roman, en fait, c'est un jeune peintre qui a volé des vêtements et une vache aux jambes. On peut commencer par la petite. On vole les armes, on vole les armures. Et j'avais lu un mémoire sur l'Aïr, qui était donc un capitaine, il est mort avant la création des campagnes d'ordonnance, si je n'ai pas de bêtises. La théorie de l'historien qui faisait mémoire, c'est qu'il avait un cheptel de chevaux qu'il amenait avec lui. C'était beaucoup plus pratique que de porter du butin. Et s'il avait besoin d'argent, il vendait un cheval. Et voilà. Donc, ça venait tout ça, ça faisait une réserve, le cheptel de chevaux, le cheval faisait une réserve d'argent. Et c'était qu'il avait piqué à ses ennemis. Il y a le renseignage des prisonniers hein, qui est très important. Donc il y a eu aussi le côté. L'ennemi honorable, donc on peut faire prisonnier, rançonnable, et que si jamais c'est nous qui nous faisons capturer, il sera rançonné, il nous traitera bien, mais ça permet de gagner beaucoup d'argent. Donc le versement de pâtisse par les communautés, comme je disais, c'est payer la paix, c'est donc une sorte de taxation qui est imposée par les gens d'ordonnance. Il y a aussi la réquisition de vivres, c'est le vivre sur le pays, c'est que les vivres prennent du. Alors, dans certains cas, une compagnie, je crois que c'est la campagne de Normandie, le roi impose qu'on paie la nourriture avec un certain prix qui est imposé. Donc, le capitaine a un pouvoir de justice. L'auteur de Jouvencel, donc, qui était un capitaine de Charles VII, recommande une discipline stricte, une application rapide de la justice. Par contre, on voit aussi pas mal de. Il y a des lettres de rémission à l'époque, où c'est quelqu'un a commis un crime, souvent il y a beaucoup de gens de guerre dans les lettres de rémission. Et donc, le crime est reconnu comme ayant lieu, mais il y a une lettre de pardon en fait, qui est adressée. Et on se rend compte, l'historien se rend compte qu'il y a, quand c'est un homme d'armes qui est gracié, il y a souvent le capitaine qui est là pour faire la demande ou pour se tenir à demande. Donc le capitaine, il protège aussi un peu ses hommes. Alors par contre, parfois le capitaine, il ne faut pas le fâcher. Hein. On a une lettre de rémission, là c'est pour le capitaine, parce qu'en 1380, il a chopé un de ses hommes qui n'était pas à son poste en tant que guetteur, ça n'avait pas pu la tuer. Voilà.
Et ben après, il demande l'aide en remission au roi, donc ça passe. Il est coupable du crime d'inégration. Voilà, et donc aussi, le capitaine, je me répète un peu, mais c'est aussi l'intermédiaire principal avec les communautés. Donc il va négocier, notamment en cas de conflit, s'il y a des problèmes avec des hommes d'armes d'une compagnie, avec des habitants, et parfois ils vont être pris par les habitants. Ils disent non, remettez-moi à mon capitaine, c'est lui qui décidera de mon sort. Là, on a la source, voilà. La source, c'est 1458, donc c'est la fin, mais après la guerre de 100 ans. Donc la guerre de 100 ans est finie, donc on a un dénommé, Étienne Pouchon, qui est sur le point d'être appréhendé par des consuls, des consuls de ville, et il réclame d'être remis à son capitaine. Donc vous voyez, hein, c'est pas, même quand il n'y a plus la guerre, il y a encore des conflits entre communautés et gens de guerre. Oui, pardon, c'est moi. Là, je suis marqué 1380, en fait, on est avant la création de la guerre. Oui, oui. Ça a évolué et en gros la philosophie a évolué pour donner des. Alors oui, alors 1380. Alors 1380 c'est un peu tôt parce que par rapport aux écorcheurs. Pour moi, alors je veux dire, je ne suis pas historien, les compagnies d'ordonnance, c'est les écorcheurs qui sont payés à l'année, en grande partie. C'est vraiment. Les écorcheurs, c'est professionnels de guerre. Le rapport entre l'homme et ses capitaines, il n'a pas de problème. J'ai l'impression, ça n'a pas vraiment changé. Hein. J'ai pas l'impression que ça ait vraiment changé. Parce qu'à part qu'il est payé à l'année, comme je disais, souvent c'est les mêmes compagnies en fait, de jeunes guerres qui avaient leur capitaine et les gens qui sont devenus dans les compagnies d'ordonnance en fait. Il n'y a pas eu trop de changements. C'est les mêmes, hein. Donc en fait, c'est juste qu'ils ont été soldés à l'année. Donc il n'y a pas vraiment pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais je ne suis pas historien, j'ai pas creusé tout ça. Donc c'est que mon avis. Mais pour moi, je pense que la mentalité des écorcheurs, c'est quasiment la même que les compagnies d'ordonnance. Et d'ailleurs, la mentalité des accorcheurs, c'était à peu près la mentalité des troupes certains historiens appelaient royales. Donc, c'est la même mentalité des gens de guerre de l'époque. Donc, une communauté qui est un peu isolée du reste de la société, qui sont clochés, qui vit un peu en autonomie et qui se balade avec la guerre. D'ailleurs, l'Aïr, qui n'est jamais rentré en campagne d'ordonnance parce qu'il est mort avant, apparemment, il a eu des terres, mais il n'y est jamais allé. C'est-à-dire que c'était pour sa réserve, il a fait 25 ans ou 30 ans la guerre. En fait, il s'est battu tout le temps en nomade, en fait, mais il ne s'est jamais installé dans ses terres. Donc voilà, et vraiment ce côté, ouais, communauté à part. Et je ne pense pas que c'est changé beaucoup entre les écorcheurs et compagnies d'ordonnance. À part qu'ils sont soldés à l'année, donc eux c'est bien parce qu'ils sont soldés à l'année, donc ils peuvent vivre en garde, tout ça, donc ça leur donne une meilleure légitimité et moins d'insécurité. Mais on voit qu'il y a encore des conflits, même après la guerre, il y a encore des conflits avec les communautés. Hein, ça n'a pas vraiment évolué, je pense. C'est que mon avis. Alors, le gros bordel des lances. Pour les amateurs, c'est les systèmes de comptage. La lance, c'est le bordel. Alors déjà, au 14e siècle, ça parle d'armure de fer. Je pense que c'est Philippe Contamine qui en parle beaucoup. L'armure de fer, c'est l'homme d'armes et son page. Vous avez bien vu, on a besoin de quelqu'un s'équiper, donc il y a l'homme d'armes et le page. Le page, c'est le jeune homme qui est en apprentissage auprès de l'homme d'armes, qui apprend à être un homme d'armes, qui apprend sur le tas. D'accord ? Au 15e siècle, donc, il y a la lance, le terme lance qui apparaît. Au début, c'est pour parler d'un homme d'armes de son page, et un gros valet ou coutillier, c'est une sorte de combattant à pied, comme à l'armée aussi, mais qui prend, il y a plusieurs termes qui apparaissent. Mais ça change. En fait, ça change pas mal en fonction des régions, des chroniqueurs, tout ça, le terme de lance change. Pour la lance fournie et garnie des compagnies d'ordonnance de Charchette, et uniquement des compagnies d'ordonnance de Charchette, en croisant différentes sources, parce que les sources sont parfois pas, disent pas tout à fait la même chose, je pense que c'est à peu près 6 personnes, une lance. Je pense que c'est l'homme d'armes et son page. Je pense qu'il y a 2 archers qui ont un valet. Le valet, c'est un serviteur. Un boulanger peut avoir un valet, le duc de Bourgogne peut avoir un valet. Un valet, c'est un serviteur qui est venu pour servir. Et donc, un coutillier, qui vous sert les gros valets, va être guerre. Donc, c'est un combattant à pied, mais on reviendra en détail. Donc, pour moi, c'est à peu près 6 personnes, dans une lance fournie garnie. Le compagnon lance, c'était 100 lances, donc il y a environ effectif théorique. Hein, c'est toujours théorique. Il y aurait donc environ 600 combattants.
On parle d'ailleurs qu'il n'y a pas que des combattants dans les compagnies. L'armure de fer, homme d'armes et page. On suppose que le page, c'est la chimie, est aussi en armure. Alors, c'est pas un écuyer. C'est pas un écuyer. On en reparle, j'en reparle justement, on confond écuyer, parce que l'écuyer n'est pas un page. L'écuyer, c'est un homme d'armes qui n'est pas chevalier. Donc l'armure de fer, c'est un homme en armure et un page qui est en armure. Oui, et ça, c'est parce qu'il parlait dans les chroniques, il parle, voilà, il y a 100 armures de fer. Le seigneur arrive avec 100 armures de fer. Mmh. Là, en fait, c'est une unité de comptage. D'accord. C'est une unité de comptage et 100 armures de fer, et ça parle de l'homme d'armes et son page. Ils sont plutôt parmi. L'homme d'armes tout seul, il ne fera pas grand-chose. Comme les couilles. Et c'est au côté de qui parle de ça. Je vais poser une petite anecdote parce que. Il y a plein d'unités de comptage différentes et le problème c'est que la lance, c'est, au début c'est une évolution de l'armure de fer, ça ne fait pas pareil, et après ça devient. Oui. Lance fournie et garnisse, c'est des synonymes. Ouais, j'ai l'impression. Il y a les deux qui apparaissent. Genre, oui, Loïs me fait oui, donc je fais oui. Voilà, et donc alors, c'est intéressant, ils se déplacent tous, ils ont tous des chevaux, mais ils n'ont pas une ordonnance. Ça ne veut pas dire qu'ils se battent tous à chevaux. Par contre, ils espèrent tous à chevaux, ce qui, pour moi, aide beaucoup pour la rapidité des déplacements. Mmh. Toute une compagnie à cheval, ça va beaucoup plus que certains sont à pied. Pour faire le TBR, je ne suis pas être plus loin là-dessus, parce que ce n'était pas le sujet. La lance d'ordonnance, c'est 9 personnes. Je crois qu'il y a 3 archers et il y a un tireur à ma feu. Mmh. Ouais, c'est pas arquebusier, il y a un terme c'est équivalent. Et je crois qu'il y a un piqué, c'est ça. Donc voilà, donc faut faire attention, s'il parle de 100 lances dans Charles le Téméraire, c'est 900 hommes, alors que si on parle de 100 lances chez Charles VII, c'est 600 hommes, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, maintenant on va parler des combattants. Alors, il y a l'homme d'armes qui, dans les sources, il prend toute la place. Vous allez voir, on parle beaucoup de l'homme d'armes, beaucoup moins des autres, parce qu'il prend toute la place. L'homme d'armes, pour moi, jusqu'à la fin du XVe siècle, c'est toujours la colonne vertébrale des armées. Donc l'homme d'armes, c'est le combattant en armure qui combat aussi bien à cheval qu'à pied. Alors, chevalier ou cuyer? Alors, chevalier, c'est un titre. Donc Louis en parlait, quand on a le titre, il faut... je ne sais plus comment tu as dit ça, il faut... un certain train de vie. Mener un certain train de vie avec des obligations, etc. Donc ça coûte cher. Au XIVe siècle, il y a le chevalier qui a un titre, et l'homme d'armes qui n'est pas chevalier était écuyer. D'accord ? C'est pas l'écuyer, c'est pas le porteur, c'est le porteur d'écu, mais c'est le combattant, d'accord ? À la base. Donc au XIVe siècle, dans les lettres de retenue, le chevalier est mieux payé que l'écuyer. Donc il y avait une vraie légitimité de chevalier parce qu'on était mieux payé, donc peut-être avoir un train de vie qui va avec. Au XVe siècle, dans l'aide de retenue et tout ça, on ne fait plus la différence entre écuyer et chevalier et on ne parle que de homme d'armes. Et bizarrement, le nombre de chevaliers en proportion diminue énormément. Ben, peut-être tout simplement parce qu'ils sont soldés pareil, donc ben, ça coûte cher d'être chevalier. Et donc, ben, tiens, on va rester écuyer toute notre vie, comme disait Loïs. Alors on a des écuyers qui sont devenus maréchal de France. Ouais, il y a même des maréchals de France, enfin en écuyer, si je crois qu'il y en a un. Et dans les tournois, ça ne gêne pas qu'un écuyer combattant chevalier, vous l'avez noté dans ta thèse, que tiens, voilà, il y a un chevalier qui dit son meilleur adversaire, c'est un écuyer. C'était Gaspard de Dauphin qui en parlait hier. Voilà. C'est ça. Et c'est très intéressant. Donc du coup, en fait, il y a un titre honorifique, mais à la guerre, apparemment, écuyer chevalier, ça perd un peu de homme d'armes. Voilà, homme d'armes, ça devient homme d'armes dans l'aide de retenue. Et même non noble, non chevalier, non écuyer. Non, alors, pour avoir l'armure, le cheval, tout ça, c'est quasiment que des nobles. Okay. Petite noblesse, parfois j'en reparle après, je crois. Alors, souvent, les hommes d'armes, on a l'origine difficile à déterminer. C'est la petite noblesse, ça va être des bâtards sans héritage, le deuxième ou troisième cadet. J'avais trouvé au moins 2 sur 3 sont nobles, les hommes d'armes. Donc, il y a un tiers de monde. Oui, mais c'est plutôt dire... on ne sait pas trop qui n'est pas noble. D'accord. C'est difficile à confirmer. Ouais, difficile à confirmer. Surtout avant les campagnes d'ordonnance, sinon apparemment, d'après les historiens, les campagnes d'ordonnance.
certains historiens disent que lors des campagnes d'ordonnance, on essaie quand même de garder les noms. Donc oui, je disais donc les chevaliers écuyers, donc ils ont une seule et une reconnaissance sociale identique. Et par contre, tous les hommes d'art, ils cherchent une ascension sociale. D'accord. Souvent, ils manquent de terre, ou ils n'ont pas de district, etc. Il y a vraiment une recherche d'ascension sociale par la voie des armes. Il y a côté entrepreneur de guerre. C'est on fait la guerre ici pour le roi, mais c'est pour nous, pour gagner des titres, gagner des terres, gagner de la richesse, gagner de la réputation. Un petit mot sur le cheval de guerre. Donc, avec une très belle image, on peut monter à cheval sans tabouret. Hein. Ouais, bah, si tu veux, elle est dans mon document. Donc on peut monter à un centreuil hein, sur un cheval. Pourtant il est armé. Hein. Il est bien armé. Alors, le cheval de guerre, j'ai un petit mot parce que bah, c'est la thèse de Lys. Donc ça peut valoir jusqu'à deux fois ou trois fois le prix de l'armée, donc c'est très cher pour un cheval de guerre. Et pas si grand que ça, donc j'avais noté 1m50 à 1m60 au garrot, à peu près, d'après les recherches d'historiens. Donc pour ceux qui ont fait des équitations, c'est pas énorme. Donc qui a été recherché, qu'il soit hardi, puissant, actif, rapide, chargeant bien droit, parce qu'effectivement si on a la lance et qu'il fait un écart, c'est pas très pratique. Et il n'y a pas de terme universel, on pense souvent à destrier, etc. En fait dans les chroniques, déjà entre deux chroniqueurs, ils vont pas qualifier le cheval de la même façon. Il y en a un qui veut dire courtier, l'autre destrier, ou tout ça. Et donc dans les tournois qu'a noté, on parle de destrier, mais aussi du courtier ou du palefroid pour les shooters. Vous voyez, je finis grave. Et moi, ce que j'avais noté dans les sources, c'est qu'il y avait les Français aimaient bien importer des chevaux d'Italie et de la péninsule ibérique pour leur qualité. En fait, donc, ils faisaient, comme les armures milanaises venaient venir d'Italie, parfois ils aimaient bien venir faire des chevaux. Donc il y a un vrai commerce de chevaux vers la France. Donc très important le cheval. Alors. L'homme d'art est défini par le port du Varnois. Une très très belle image du jeu d'ancien, très très peu connue, mais avec plein d'hommes d'art. Et c'est comme ça aussi qu'on décrit, en fait, selon l'homme d'art, on ne décrit pas ses armes, on décrit son armure. Et premièrement, les dits hommes d'armes sont armés volontiers quand ils vont en guerre, de tout Arnois blanc, c'est à savoir cuirasse close, avant-bras, grand garde-bras, Arnois de jambes, gantelet, salle à visière. Et une petite bavière qui ne couvre que le menton. C'est rigolo la question. Et il y a une source assez connue, c'est le traité de l'armement militaire avec des costumes. C'est un auteur inconnu qui a été écrit en 1448. Et quand il parle d'une casse-armure, il dit la plus commune et puis une autre qui est spécifique. Et il y en a plusieurs qui sont plus précises, qui sont faites à la manière que c'est fait à Milan. Dans les armures. C'est pour ça que en fait, dans ma reconstruction d'armure, c'est une armure de type milanaise, c'est par exemple une arme française. Alors, les armes, donc, à cheval, c'est la lance, arme très dominante, extrêmement puissante à cheval. On peut avoir de la lance antique, comme on l'a vu dans son bâtiment, donc privativement. Pour les dagues et épées, il parle d'épées courtes et pesantes et qui sont déstockées de taille et les dagues sont longues. Et on a aussi l'âge d'armes qui est très présente dans les descriptions des tournois et qui sont souvent représentées dans les produits du canon. Là on peut voir qu'ils ont les âges d'armes, épées, dagues, etc. Et visière ouverte. Ouais, et visière ouverte. Tu fais la structure avant de la faire. C'est comme dans les films maintenant, faut voir le héros. On fait pas 8 par matinée. J'ai pas tout entendu. J'ai entendu que s'il n'y avait pas d'armes et... Justement, le côté de la visière levée, ça se faisait sans routine parce que ils inscrivaient en fait, parce que le nom était parfois phonétique. Donc, quand ils faisaient l'appel pour passer au passage, il y en a certains qui se posaient, ils n'étaient pas les bons. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur.
On vérifie s'il y en a qui ne trichaient pas aussi, peut-être. C'est celui qui s'est présenté. D'accord. D'accord. Contrôle bien. Contrôle bien. Ouais. Donc voilà pour l'homme d'art. Alors, les archers. Donc, il faut retenir, c'est la proportion. Pour un homme d'art, dans une compagnie d'ordnance, il y a deux archers. Alors, c'est intéressant, certains nobles n'auront pas assez d'argent pour s'acheter cheval de guerre et armure, vont commencer à archer le temps d'avoir assez de moyens pour acheter des armures. L'équipement est assez important pour le archer, on peut voir un petit peu là, et même précise bien que donc, les archers portent armoire de jambes, salade, grosse jaque doublée de grands foisons de toile ou brigandine. Donc avec bien sûr arc etc. Les épées, ils les portent longues, tranchant comme un rasoir et sont à deux mains et ont des dagues plus longues que les hommes d'armes et que les coutiers et tranchent comme des rasoirs. Donc ils sont quand même bien armés. Hein, donc on voit salade, brigandine, armes à jambes parfois sur les on voit pas toujours. Et donc épée à deux mains et une dague. Je ne parle pas dans la conférence, mais pour être considéré comme archer, homme d'armes, etc., il y a un équipement obligatoire. Donc il y a des montres, des passages en revue des troupes, et ils doivent justifier de la possession de l'équipement en leur nom propre, que ce ne soit pas prêté, pour justifier tout ça. Donc quand c'est dit comme ça, il faut vraiment qu'il soit équipé comme ça. Parce que... Oui. J'ai tout. Alors, je vous explique à la fin, c'est un document, ça tirait d'un document que j'ai écrit. Il y a tout dedans, c'est en libre sur un service sur Internet. Pardon. Oui, il y a des crêpes royaux, des choses comme ça chez les forges pour avoir des caisses d'équipement classiques et universelles. Je ne sais pas du tout. J'en ai aucune idée, je n'ai pas trouvé dans les sources que j'ai trouvées, que j'ai lues, j'ai pas vu comment ils récupèrent l'équipement. J'ai l'impression que c'est personnel, chacun s'équipe personnellement, mais après je n'ai pas vu. Notamment sur les armuries tourangères, vous en ferez venir des Milanais créer une armurerie de toutes pièces, une entreprise d'armurerie, c'est plein d'armureries différentes. Le roi de France demande trois tailles pour les salades, trois tailles pour les. D'accord. Enfin bref, les mieux qu'on choisit. Très bien. J'avais entendu qu'il y avait des armuriers milanais qui étaient invités en France. Mais je ne sais pas comment s'équipe les gens, j'ai l'impression qu'ils s'équipent. Mais pour les brigandines, quand on a fait venir Nicolas sur ça, c'est vrai qu'il l'avait dit, comme tu n'étais pas là. Il y a trois tailles et en fait elles n'étaient pas fermées sur le côté. D'accord. Et tu pouvais justement agrandir en fonction de ton gabarit. C'est mis prêt à porter. Ouais, c'est ça. C'est clairement. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que Nicolas nous l'avait dit, je te l'avais pas dit. J'avais une autre question, je crois. C'était juste pour expliquer aussi les ordonnances de l'équipe des armuriers à l'ancienne Bourgeois. Ouais, j'ai pas utilisé. 448, où ils donnent des standards pour les brigandines. Est-ce que j'ai tout dit sur les archers, je crois. D'autres questions sur les archers? Non, j'ai pas de proportion. Les hommes d'armes, franchement, ils bougent tout. Il y a beaucoup d'informations sur ces hommes d'armes. Alors les archers poutillés, j'ai cherché, mais alors je ne suis pas historien, donc je cherche partout. Mais franchement, j'ai du mal à trouver des infos. C'est par rapport aux grands archers qui ont des tous les dimanches, des formations militaires. Très difficile à dire. J'ai pas l'impression qu'il y a d'entraînement militaire, c'est vraiment on apprend sur le tas, on vient à la guerre. Dans le jeu français, il y a vraiment cette impression qu'il y a des jeunes gens qui viennent et qui apprennent et qui vont poser des questions. Dans le jeu français, il y a un passage où en fait on demande à un jeune homme de faire le guet et il vient voir le capitaine, dit monsieur le capitaine, je ne sais pas faire le guet. En fait le capitaine l'amène et il montre comment on fait le guet. Ils en profitent dans le livre et ils décrivent comment on fait le guet. C'est intéressant. Excuse-moi, il y avait une question avant. Parce que du coup, ces archers, leur équipement, il y a une grosse différence par rapport aux francs archers ou pas? Je crois que les francs archers sont moins équipés, mais je n'en fais plus. Ouais, parce que c'est vrai que ils avaient une mauvaise réputation, c'est vrai que pour envoyer, c'est quand même plus bien équipé. Je crois que les francs archers étaient un peu moins équipés, mais je ne suis pas sûr. Mais c'était plutôt... Alors, bon, ce que j'avais lu des historiens, c'est que c'était des paysans, des bourgeois qui s'entraînaient le dimanche et que apparemment la blague c'était qu'il passait plus de temps à boire du vin que à s'en tirer à l'arc. Après c'est peut-être des ragots et tout ça. Mais voilà,
des épées arcolaires, mais on est dans du professionnel de guerre. C'est littéralement le matin du dimanche, si tu n'avais pas ton équipement, fait ça de alors l'idée, c'est ça. Supposons qu'il le fasse le dimanche. Le cliché, en fait, si on prend vraiment le cliché, c'est, comme disait Pierrick, c'est le combattant dimanche par rapport au professionnel de guerre qui fait ça tout le temps. Mais c'est toujours difficile de donner son avis parce qu'ils ont quand même duré jusqu'en 1480. Je ne saurais pas dire que vous êtes pas faux, mais il me semble que dans les fonctions de lance, il y avait aussi la responsabilité de s'occuper du fonds d'archer, des formés, des. Ah, peut-être. J'ai pas trop, j'ai pas cette info. C'est intéressant. Aussi, là j'en parle pas dans mon truc, mais on voit aussi, par exemple, quand ils se mettent en. Quand ils combattent, on reste pas lance avec lance, c'est des hommes d'armes avec les hommes d'armes, les archers qui avec les coutillers. Et on voit que les archers, il va y avoir des groupes d'archers qui sont menés par des hommes d'armes et les coutillers sont menés par les hommes d'armes aussi. Il y a ça. Donc, on va avoir n'importe quoi, mais un homme d'armes qui va mener 50 archers, un homme d'armes qui va mener 50 coutillers. Donc il y a ce côté, l'homme d'armes, c'est le plus expérimenté. Ouais, c'est un peu, entre guillemets, l'officier qui mène. Le lieutenant, quoi. Tu avais une question, Péry. Juste en marche, comme on me rappelle la source, mais il me semble avoir vu un inventaire pour un nombre de personnes, de combattants, de l'inventaire de l'équipement réel correspondait pas du tout en termes de quantité à ce qui était demandé par le décret. Alors c'est pour ça qu'ils font des montres. Il y en a qui trichent, parce que c'est précisé à un moment que, attention, il ne faut pas que l'armement soit prêté, c'est qu'il y en a qui s'en fait prêter. On le voit dans les ordonnances de Charles Téméraire, qui aime beaucoup les ordonnances. En gros, à chaque fois qu'il y a des ordonnances, c'est que c'est pour lui, en gros, il y a des gens qui font des bêtises, et il remet des législations dessus pour encadrer ça. Quoi. Ça semble être un idéal et un recadrage après la réalité. Voilà, il y a toujours la théorie et la réalité, hein, mais partout, c'est pareil, apparemment, les légions romaines, normalement, c'est 6500 hommes ou un truc comme ça, et c'est jamais le cas apparemment. Voilà, donc il y a toujours ce qu'on veut et ce qui existe vraiment. Il y a aussi des exemples pour une fois les armes à carrière. Vous pouvez garder les armes à carrière. Et il y en a qui s'amusaient à le revendre pour eux. Oui, puis il y a des histoires où apparemment le capitaine qui a les soldes, il distribue pas trop. Il y avait des histoires comme ça. Voilà. Donc il y a toujours des. Donc il faut toujours faire attention à la théorie et la réalité. Et malheureusement, dans les sources, c'est souvent la théorie qu'on a. À part qu'on a des chroniques, etc. Mais pareil, les chroniques sont biaisées par rapport à qui écrit la chronique. Le coutillier. Intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup alors que c'est un au cœur des campagnes de redondance. Je trouve que c'est une belle image qui ressemble pas mal à ce qui est décrit. On ne parle pas de fantassins au 15e siècle. Hein. Les fantassins, ça n'existe pas. On parle de piétons. Il y a le valet armé ou le gros valet qui revient souvent. Et au temps des campagnes de redondance, on parle du coutillier qui est donc. On parle de valet armé pour l'occasion, qui est équipé d'une salade de brigandine, Jacques ou Bergeon et Hache ou Guizard. Ça c'était le gros valet au début du 15e siècle. Et après, on parle, donc il y a le coutillier qui apparaît, mais je pense que c'est juste le nom qui a un peu évolué. C'était des gens armés de aubergeons, salades, dentelés, armes à jambes, lequel portait volontiers en leur main. Fauchon. Façon d'arme, je ne sais pas ça. Et langue de bœuf, donc ça va ressembler. Donc une coquille, langue de bœuf, tout ça, donc c'est arme d'astre, et pas plutôt taille d'homme. Hein. On le voit, hein, ce n'est pas des armes très très grandes. On n'est pas encore obligé de faire le téméraire. Mais ils vont pouvoir faire des formations quand même le coutillier existe encore chez Charles le Téméraire, et en plus du coutillier, il y a le piquier qui apparaît avec le grand pic, qui est un peu moins armé, hein, je crois, au niveau protection de l'arme. Le coutillier, je vois ça comme une sorte de fantassin lourd avec arme d'astre. Donc c'est un homme d'arme un peu moins armé. J'ai l'impression que c'est le terme qui évolue, parce qu'on parle de gros valet, valet armé, et après on parle de coutillier, valet, gros valet, etc. Okay. Je sais pas, c'est à peu près le même type de combattant, je pense que c'est un peu le terme qui apparaît, qui change. Et le coutillier, je pense que c'est juste l'arme qu'il a, parfois il appelle brassi, il appelle coutillier parfois. J'ai l'impression que c'est à peu près le même type de combattant qui existait déjà au 14e siècle et qui a changé un peu de sur la terre. Mais pareil, les sources sont assez avares.
qu'on va aller, enfin, de ce que j'ai vu. Donc voilà pour le sujet, ça va arriver pas mal vers la fin. Alors si, parce qu'il y a les combattants, mais il n'y a pas que des combattants et compagnie de romance. Et l'historien a à peu près prouvé qu'il y a une population qu'on pourrait qualifier d'infra-militaire qui suit les compagnies d'ordonnance. Alors il y en a qui viennent quand il y a les compagnies d'ordonnance qui sont à lieu, il y en a vraiment des gens qui suivent les compagnies d'ordonnance. Et on va voir donc des serviteurs, des valets, etc., qui sont payés par des hommes d'armes, etc., pour être servis. On va voir des gens pour la logistique d'approvisionnement, on va voir des couturiers, des fourreurs, des chefs coqs, des charpentiers, des forgerons, des maréchaux ferrants, il faut bien se faire des chevaux. Il y a des religieux, il y a des prêtres. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur la religion dans les compagnies d'ordonnance, c'est un peu dommage. Il doit y avoir. Mais il y a aussi des marchands. Il y a des marchands qui sont payés par le roi de France pour aller négocier avec les communautés, pour acheter des vivres et pour les ramener en fait, ou pour les vendre aux compagnies d'ordonnance. Comme ça permet d'avoir une transition plus diplomatique pour les vivres, par exemple. Des conducteurs de charrettes. La présence de femmes est formellement attestée dans les compagnies. On a, il n'y a pas de femmes soldées en tant que combattantes. D'accord. S'il y a un combat qui se passe dans un camp ou dans un truc comme ça, il peut y avoir des femmes qui se battent. On a toujours des civils qui se battent. On a jeune de Hachette en Bourgogne, je crois. Tout ça, il y a des femmes qui prennent les armes, ça existe. Par contre, soldées en tant que combattantes professionnelles, il n'y en a pas. D'accord. Tu m'excuseras, mais jeune Hachette en Bourgogne, ça... Pardon ? Jeanne Hachette, elle est pas. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des femmes très célèbres qui ont été. Qui sont encore, elle a encore célébré, hein, tout ça. Mais c'était une civile, c'est-à-dire elle a combattu des. Je t'ai taquiné pour la Bourgogne. Voilà. Donc, il y a des femmes qui combattent, comme je disais, c'est la distinction civile-combattant. Tout le monde peut combattre, en fait. Mais là, je parle en termes de soldés. J'avais entendu dire avec Georges Chollet qui avait parlé de femmes qui s'étaient fait passer pour des hommes dans les compagnies de Bourgogne, mais il n'a pas retrouvé les sources. On a des servantes, on voit dans les chroniques, ça parle de vieilles femmes, de domestiques, de centenaires, etc. On a des membres de famille qui parfois peut-être n'ont pas de terre, et donc on a des compagnes, des mères, des cousines qui suivent des gens de guerre, etc. Et on a bien sûr la plus connue, c'est Larry Bode, la femme à soldat, qui. J'ai pas réussi à savoir si la présence est pleinement acceptée ou tolérée. Alors ça, le téméraire, il tolère pas du tout, mais c'est autre chose. Mais pour les capitaines, j'ai pas compris. Par contre, alors elles n'ont pas très bonne réputation, c'est des équipes qui n'ont pas très bonne réputation. Par contre, elles sont considérées comme bien riches. Les gens de guerre sont assez riches, donc les ribotes qui accompagnent les gens de guerre sont bien habillés, ils ont de l'argent, des bijoux, etc. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre les ribotes et les ribotequins? Oui, pardon. Les ribotequins, la pièce d'artillerie. Je ne connais pas, peut-être, parce que il y avait pas mal de genoux, mais je ne connais pas tout. Parce que très porté sur la chose. Voilà, il y a quand même beaucoup de blagues de salaces dans les termes d'armée, tout ça. Le couillard, les machins, tout comme ça. Ouais, voilà. Donc il y a peut-être un. Là j'ai pas de. Et du coup, tu peux assez pas les avec les archers. Alors, dans les sources. Moi j'ai lu que les arbalétriers c'était plutôt pour défendre les places et que c'était plutôt les archers dans les compagnies d'ordonnance et les archers, par contre ceux qui défendent les garnisons ils ont plutôt arbalète parce que c'est apparemment plus efficace pour défendre les places. Est-ce que c'est une généralité? J'en sais rien. En fait, j'ai l'impression qu'ils parlent souvent d'archers ou de gens de trait, mais je pense que ça mélange en fonction des envies, des besoins, etc. Ah oui, parce que t'as pas d'artilleurs, donc de parapluies. Pas aux campagnes de romance. Il y en a qui apparaissent dans Charles Téméraire, alors en tout cas qui est un poste. Peut-être qu'il y en a paru, mais qui c'était pas au début de création de romance, mais je ne connais pas trop en je pense que c'est pas encore assez évolué. 1445-1453, je pense que c'est pas encore évolué. Je pense que ça arrive peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, dans la lance garnie, il n'est pas mentionné. Est-ce qu'il n'y en a pas avec l'artillerie royale qui appart? Peut-être, mais là, je ne sais pas. Voilà, et pour vous donner du nombre de femmes, c'est intéressant. Donc, je vous ai dit, dans les campagnes d'ordonnance de Charles Téméraire, il y avait environ 900 hommes, théoriquement. Donc, lui, en 1413, Charles Téméraire fait une ordonnance pour limiter à 30 le nombre de femmes dans ses compagnies
et en faisant en sorte que les femmes des gens de guerre. Donc il y a au moins 30 femmes par compagnie. C'est pas beaucoup, c'est quand même beaucoup. C'est pas 3 ou 4 femmes qu'il y a, c'est là il limite à 30, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30. Alors, j'arrive à la fin, Alors, où retrouver les publications? Comme je l'ai dit, je suis un amateur, moi j'aime écrire, j'aime lire, tout ça. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai profité du confinement pour rédiger tout ça. Donc, j'ai tous mes documents que je fais sont en ligne. Je les ai mis. Donc, moi, il y a plusieurs documents qu'on a mis sur notre site internet. Si vous voulez, j'ai une carte de visite, si vous voulez, tout ça. Tout est en ligne. Il y a un document de Damien qu'on a testé, les haches d'armes, le caoutchouc de fées d'armes pour tous les modèles de haches d'armes, parce qu'il y en a qui étaient bien pour la pratique, il n'y en a pas bien pour la pratique. J'ai mis un document sur ma pratique de furet délibéré que j'ai fait. Et j'ai fait donc deux documents sur mes recherches au Kazakh. Donc, à partir du Jouvencel, j'ai fait un document sur la pratique au Moyen-Âge, parce que le Jouvencel, c'est une source extrêmement riche. Et il y a énormément d'informations sur comment faire la guerre au Moyen-Âge. C'est super intéressant au Kazakh. Hein, c'est Jean V de Beuil qui l'a écrit, donc c'est un capitaine sur Charles XVI, dans ce combat entre 1430 et 1455. Et j'ai fait donc mon gros document. Toutes les informations de ma présentation viennent dessus le document, c'est un document qui va faire 120 pages. Donc c'est comme Charles VII, la vie des gens de guerre, c'est tout est sur le site internet Amélie Blancastel. Il y a une partie publication, vous pouvez télécharger le document, c'est un Google Drive, donc tout est en ligne. Donc moi ce que je vous ai présenté là, c'est un peu la création des compagnies d'ordonnance, comment arriver, tout ça. C'est la première partie du document. Après, je me suis intéressé aux tactiques au Moyen-Âge et je me suis beaucoup intéressé, comme Loïs, aux mentalités des gens de guerre. Moi, je tiens à dire, tiens, comment les gens vivent à l'époque, c'est quoi l'état d'esprit des gens de guerre, et en tout, il y a toujours pas mal de choses intéressantes. Donc, je suis allé beaucoup. Là, c'était une première partie, mais on peut faire 4 conférences, je pense, facilement. Oui. On a les grandes compagnies d'ordonnance, on a les lances dedans. Sachant que les grosses batailles sont pas courantes, on est beaucoup plus dans la petite guerre de la Lyriade et des Starmouches, est-ce qu'on a une idée de, entre le capitaine et la lance, qui en plus n'est même pas nécessairement ensemble, comment ça se déroule pour les Alors, ce genre de Starmouches? Le Jouvencel est très très intéressant là-dessus, tu auras tout là-dessus. Parce que franchement, en fait, le Jouvencel, c'est une sorte de roman autobiographique romancé, mais qui est didactique, où on apprend le métier des armes. Et en fait, ça commence par les toutes petites escarmouches. De rien du tout, c'est 30 hommes, 40 hommes, et ça finit, ça monte en grade. En fait, il parle de comment on fait la guerre, comment on fait les attaques de nuit, comment on fait le machin, etc. C'est super intéressant. Là, sur le document, en fait, j'ai pris que ce qui parce qu'il n'y a pas que du militaire, il y a du religieux, comment on fait la rançon, comment on règle les conflits, donc, il y a des duels, c'est génial, mais c'est très très dense. Sur ce document, j'ai pris chaque moment militaire du Souvent 7 que j'ai analysé et j'ai en fait qu'un petit. J'ai tiré comment ils se battent, comment ils préparent ça, etc. C'est hyper enrichissant. Parce que ça va être de la scarmouche. Donc effectivement, les lances, ce n'est pas des unités de tactique. Hein. Lances, c'est surtout. Il y a les hommes d'armes, les archers, etc. Mais en fonction de la situation, il va falloir plein de configurations possibles. Et justement, dans la scarmouche, dans les batailles, ils disent si on se bat à pied, on va faire comme ça. Si on se bat à cheval, on va faire comme ça. Tout ça, on va pas avoir. Il ne faut pas mettre les chevaux devant les gens à pied, parce que s'ils bougent pas, s'ils prennent des flèches, ils vont reculer dans les gens qui sont à pied. Il y a plein de considérations. Il me semble que dans les mémoires de certains combattants de l'époque, ils accordaient beaucoup d'importance aux petits escarmouches qu'ils ont fait personnellement, ils ne peuvent plus avoir d'importance, parce qu'ils vont arracher juste 2-3 lignes sur une grosse bataille importante, et qu'ils vont faire ça, arracher des choses, et ils vont faire ça. Oui, parce qu'on a une idée du coup. Du rayonnement des grandes compagnies dans le camp adverse, est-ce qu'ils se sont créés une réputation, est-ce qu'ils étaient craints, est-ce qu'il y a une raison? Je n'ai pas d'infos là-dessus. Par contre, à partir de 1445, l'Angleterre commence à être en trouble avec la guerre des Deux Roses, hein, donc il y a des soucis en Angleterre, mais disons la reconquête est rapide, ils reprennent la Normandie assez rapidement. Il y a plusieurs grandes forces qui se rendent devant la puissance du roi de France avec tous les hommes, la Thierry, etc. Ça a l'air assez redoutable dans la réalité. Je ne connais pas la réputation de par rapport à l'adversaire. Oui.
cherchais la réponse à ma question, et du coup, les Rubodquins tirent leur nom du simple fait qu'ils étaient confiés aux Ribauds, qui étaient des gens qui suivaient les compagnies en quête de pillage. Du coup, bon, ils ne savaient pas très bien se battre, ils n'étaient pas très bien équipés, donc s'il y avait un Rubodquin, on le confie à ces gens-là, parce que ce serait rien de pas fou. D'accord, mais je ne connaissais pas le terme Ribauds pour les, voilà, les gens qui suivent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bon, j'en ai une bien comme ça, mais est-ce que globalement, les 15 et 18 après nous trois en compagnie, de réputation, il est quand même bien à opérer, ou est-ce qu'il n'y a pas un peu des points à concours de celui qui va prendre le plus d'action, le plus rayonné pour le plus de gloire? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a du respect entre capitaines. Et je pense qu'il doit avoir des rivalités. Il y a des rivalités parce qu'il y a des conflits. Justement, j'avais lu un livre sur les conflits en Gascogne où c'était, alors, je crois que c'était des Français et des Espagnols, non, c'était des Italiens et Espagnols à un moment. En fait, il y a parfois des conflits entre compagnies. Et qui parfois durent. Il y a eu un conflit, j'ai l'impression qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu un mort entre deux compagnies. En fait, 10 ans après, ils se recroisent, les deux compagnies se recroisent dans une ville en Gascogne. Et ils vont sur la gueule. Donc, il y a quand même un truc où il y a vraiment le côté compagnie, le capitaine, et alors, je ne sais pas pour le roi de France, mais chacun, enfin voilà, il y a un gros orgueil, enfin il y a vraiment un esprit de corps au sein des compagnies, et que si besoin, ça peut se rentrer dedans entre deux compagnies. Donc, il y a qu'il y a un esprit de corps comme une armée militaire moderne. Où on se bat pour la France, et encore je pense qu'il se tire la bourre entre, on ne connaît pas très bien les militaires, mais je pense qu'il se tire la bourre entre les fusils marins, machin, etc. J'ai l'impression qu'à l'époque, il y a vraiment le côté, on se bat d'abord contre le capitaine, c'est pour la France. Mais s'il y a un conflit entre deux capitaines, ça peut-être virer. Alors ils évitent peut-être qu'ils vont péter, pas être belles ou pas être sanctionnés. Mais je pense, ça peut se tirer la bourre. Pareil, hein, comme je disais, il y a l'ascension sociale, donc il y a le côté où on veut prendre le plus de possible. Mais il y a aussi, hein, voilà, quand on fait une campagne Normandie, il y a plusieurs compagnies qui font des plans ensemble pour faire les trois, ils parlent de trois armées qui montent comme ça, donc là ils sont obligés de se rassembler, de faire qui fait quoi, etc. Donc il y a quand même un moyen de faire des stratégies globales. Il y a des questions d'intérêt du coup au roi, s'il connaissait des rivalités entre les têtes, peut-être pour pas d'éviter les envoyer ensemble. Ah, peut-être, oui, oui. Mais globalement, ils coopéraient, quoi. En tout cas, ça a bien marché. Ça a bien marché contre les Anglais. On a repris la Normandie. On prend une première fois l'Aquitaine, mais après, ils se rebellent et on reprend une deuxième fois. Donc, ça a plutôt bien marché. Après, c'est toujours pareil, comme l'Angleterre avait des conflits de leur côté, donc il y avait moins de sous pour amener tout ça. C'est toujours compliqué à dire, je ne suis pas historien militaire, donc toujours à dire à quoi ça a l'air d'avoir bien aidé, parce que c'était ça qui a fait tout. Oui, est-ce que c'est tombé au bon moment Oui, c'est tombé au bon moment, mais comme. Oui. De l'artillerie au sein des compagnies. Est-ce que les compagnies d'ordonnance vont avoir en partie? Alors, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'artillerie royale qui est ramenée quand il y a besoin, tout ça. Il y a beaucoup, les sièges sont assez rares, donc on va ramener artillerie pour le siège. Pareil, je n'ai pas dit parce que ce n'est pas le sujet, les camps sont très rares. On vit beaucoup chez l'habitant, dans le Jouvencel, on voit, ils sont dans une place forte, alors un manoir, une ville, etc. Ils vont faire des raids chez l'ennemi, et ils reviennent. Ou si c'est à 2 jours, ils font une étape à un village, ils logent dans le village pour faire un raid, et après ils reviennent. Les campements, ça coûte très cher. Les tentes, ça s'abîme avec la pluie, les tempêtes, etc. Donc les campements, on va faire quand il y a des sièges. Mais sinon, voilà. Et souvent, c'est les seigneurs du Bourgogne qui financent les tentes et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'une campagne d'ordonnance, ça vit beaucoup dans les villes. Parce qu'en plus, ceux qui ont vécu un peu dans la tente, c'est pas toujours super grave. Ils sont comme tout le monde, hein, ils préfèrent vivre au chaud chez l'habitant, dans une chaumière avec le feu de bois, etc. Donc on vit beaucoup chez l'habitant, un peu comme les Allemands à la Seconde Guerre mondiale, qu'on voit dans les films, qui vivent dans chez l'habitant. Il n'y a pas de garnison à l'époque, hein. Il n'y a pas de caserne pour les gens. On s'installe dans les villes et il y a des systèmes d'alarme pour faire. Il y a des appels à la trompette pour dire tiens, rassemblement, c'est le matin, on se rassemble, on rassemble la compagnie. Est-ce
est-ce que l'habitant a été rémunéré d'une manière ou d'une autre pour loger le soldat? Dur à dire. Je sais qu'il y a des logeurs qui vont à l'avance. Dans le jugement, il y a des logeurs qui vont à l'avance pour marquer les maisons c'est pas le terme dizaine, c'est pas le terme, mais je sais pas. J'ai pas vu dans les sources. C'est possible. Ça dépend peut-être des circonstances. Il y a des livres de cours avec des relevés de paiement à faire aux gens. Par contre, c'était très limité en fait les paiements. Des fois, ils étaient même plus payés. Par exemple, Louis XI a dû faire un remboursement de plein de dettes. Il y avait aussi des gens qui capaient en fait le jeu là-dessus. D'accord. Donc, les gens voulaient de moins en moins en fait héberger les militaires. Quoi. Ouais, c'est, ça fait un peu partie de la partie d'accession sauvage, c'est que bah tiens, vous devez le logement. Et pareil, j'ai pas trouvé énormément de sources. Souvent, ça, c'est pas sur ça que les chroniqueurs se concentrent. C'est ça, souvent. Toi, ils nous en parlent, dans le jeu mental, ils en parlent, mais c'est pour le côté, on envoie des logeurs à l'avance pour éviter le bordel. Ouais. Sinon, ça fait du bruit, ça peut alerter l'ennemi. C'est plus la considération tactique qui est mentionnée plutôt que le truc. Dans le jeu mental, il y a un truc assez rigolo parce que ça parle pas mal d'honneur, tout ça, etc., de comment tout ça. Et à un moment, en fait, il y a une compagnie, enfin, des gens d'une compagnie qui se foutent de la partie de la compagnie parce qu'ils ont attaqué un village, ils ont failli se faire avoir par les paysans, et ils ont dû se reprendre par les paysans, ils se foutent un peu de sa gueule parce qu'ils ont failli se faire avoir par des pécores, en fait. Par contre, qu'ils soient battus contre des paysans, ils sont pas graves. Il y a le côté pareil, le côté chevaleresque et à voir. Mais chevaleresque, parce qu'on sert bien son roi. Et du coup, effectivement, si à un moment on envoie des logeurs à l'avance, ça laisse penser que si on le fait pas, après, ça pose problème. Quoi. Oui, mais là, c'était plus le sens. Tiens, on va peut-être arriver de nuit, les Anglais sont peut-être pas très loin, on ne faut pas éviter de faire trop de bordel pour faire trop de bruit. Là, c'était le cas-là. Et en fait, il y avait chaque enseigne, et les gars, ils disent « Ah, tiens, c'est mon enseigne, moi je l'osse là ». Sinon, c'est non, les gens se disputaient pour « Ah non, moi je l'osse là, moi je l'osse là », et ça fait du bruit, c'est bordel, etc. Oui. Alors, une question liée à la confiance de Louise. Quel a été l'héritage des grandes compagnies, l'armée professionnelle. L'armée professionnelle, c'est que là, je ne vais pas affirmer, mais c'est une des premières fois où on a une armée permanente. D'accord. Armée permanente, impôt permanent, et en fait, c'est la création des armées professionnelles. Avant, on n'avait pas d'armée. On avait des routiers, mais qu'on n'arrivait pas à payer, donc c'était je crois que c'était un hiver, mais qui foutait un peu le bordel, tout ça. Je ne dis pas que les compagnies normandes ne foutaient pas parfois le bordel, mais l'idée, c'est que je ne suis pas intéressé par la suite. Sans vouloir extrapoler, peut-être que c'est après qu'apparaissent les garnisons, etc. Mais on reste sur une armée permanente en fait. Donc c'est vraiment. C'est vraiment le côté armée professionnelle. Hein. Que je m'étais intéressé, c'est que je trouvais ça assez facilement. Et l'impôt permanent. Avant, il n'y avait pas d'impôt permanent. Il y avait des impôts temporaires. Ouais. Mais l'impôt à l'année, c'est à cause des Anglais. Voilà. Voilà, alors si vous voulez en tout est de la faute des Anglais. Oui. Est-ce qu'on peut appeler les grandes compagnies des condottieri en contrat permanent pour l'Europe France? Alors, les condottieri, je crois que c'est typiquement italien. Oui. C'est typiquement italien. Et il y avait un côté, si j'ai bien compris, je un peu regarder qu'on opérait, c'est qu'on faisait, parce que c'est la noblesse italienne des cités-états, qui déléguait totalement les affaires militaires, et qui faisait venir souvent des combattants étrangers pour faire un capitaine condottieri, et ils avaient un contrat où, pour être payés. Un contrat pour les liés à une. Oui, et en plus, ils avaient des funérailles nationales, etc. C'est assez différent. Il y a le côté, ouais, on fait venir un étranger, tout ça. C'est, le système est un peu différent, j'ai l'impression. Il y en a aussi des Italiens. Hein. Pardon ? Il y en a aussi des Italiens. Oui, mais j'ai l'impression que le système de condottieri, c'est comme très spécifique italien. Il y avait des spécificités, ça où on faisait parfois du condottieri, ils avaient des statuts, etc. Mais c'est dans leur contrat, donc une funéraille nationale, le statut. Le tiré, c'est-à-dire contrat, donc le contrat est important. Merci mais, Thomas. Je ne suis pas sûr que les capitaines de Charles VII aient trouvé que ce pas équivalent pour les collègues. C'est pas la même vision, j'ai l'impression. Mais je ne pourrais pas l'affirmer. La liberté de leur mission et de leur campagne militaire, elle est extrêmement large. J'ai l'impression que c'est dans
dans l'ensemble des gens de guerre au 15e siècle. Je pense que les Anglais qui étaient en France. C'était le bordel. Bah, ils avaient un peu des. Il y avait la grande ligne générale et après, voilà. Il y avait une forte indépendance. Hein, il n'y a pas de moyens de communication pour faire des. On était vraiment ce côté entrepreneur de guerre, où on fait la guerre, on essaie de gagner des sous, etc. Donc j'ai l'impression que c'est la liberté, l'indépendance des gens de guerre, c'est assez général dans tous les pays France et tous les pays frontaliers. Les cas que vous tirez, c'est justement qu'ils sont organisés en compagnie et qu'ils sont réglementés, c'est le type entre eux, en tout cas, qui est différent par rapport au reste de Est-ce que c'est assez spécifique pour les lances, c'est que ce sont des militaires, qui sont des armées, qui sont formées, efficaces, etc. Mais qui avaient, en temps de guerre, qui avaient pour fonction aussi de sécuriser l'ensemble du territoire. Oui, ils ont des lieux de garnison. En tout cas, ils ont des lieux de garnison. Mais il y avait un problème d'insécurité avec pour les mercenaires qui avaient plus de revenus, parce que c'est la guerre, donc ils ont disloqué ces organisations mercenaires. Il y a eu le recrutement au sein des lances, et les membres une fois en garnison, préparés sur la zone, avaient un peu la fonction de police, de gendarmes, c'est possible, parce que si le roi disait qu'il y a une telle compagnie qui fout le bordel, ils y allaient. Hein. Oui, c'est ça. Ils étaient déjà sur place, qui étaient répartis sur le royaume. Donc, c'était pas. Après, j'ai l'impression. C'est pas l'entière qu'on envoyait quelque part, c'est en fait l'ensemble des lances qui étaient réparties sur le territoire. J'ai l'impression qu'on gardait comme les compagnies. Une compagnie là. Et plutôt dans les zones où il y avait des Anglais pas loin. Quoi. À Milano, c'est 50 ans par là, enfin quelques années après, on sait qu'il y avait deux lances. Alors après, il y a aussi des lances des compagnies de petites ordonnances qui servaient de garnison. Aussi. Est-ce que c'est pas ça? Il y a aussi des garnisons. J'avais le terme lance. Alors, ouais, mais voilà, lance, c'est juste une unité de comptage. Et par exemple, je sais qu'en Normandie, il y a des compagnies de petites ordonnances. C'est en dehors des grandes ordonnances. Il y a des garnisons qui sont payées à l'année. Alors, est-ce que c'est ça? J'ai l'impression que les compagnies d'ordonnances, on les laisse ensemble. Parce que du coup, si on les appelle, bah, ils partent plus. En fait, c'est plus une armée, en fait. C'est une armée qui est en garnison quelque part et qu'on peut appeler tout ça. Et j'ai l'impression qu'ils sont en garnison, pas très loin, là où les Anglais. Quoi. Donc, ce qui est dans les garnisons, il y a les mortefeuilles qui sont moins payés que les payeurs d'ordonnances. C'est ça. Mais qui sont payés uniquement en garnison et qui sont pas dans la garnison. C'est ça. C'est les petites ordonnances. Je crois que c'est ça. Il y a des gens qui sont payés que pour rester dans la garnison. Ils sont moins payés. Il y a une histoire de lance d'ailleurs, mais ça parle, c'est que l'homme d'armes ne sont pas, je veux dire. Justement, c'est là où on fait gaffe. Si on parle de 50 lances de garnison, mais c'est pas pareil que 50 lances d'ordonnance. C'est un peu le bordel partout. Merci Thomas. Merci.